Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter l'exercice suivant. Pour taux n de n étoile, on pose un égale arc tangent de n sur arc tangent de n plus 1, le taux à la puissance n au carré, fn égale ln de un. Premièrement, vérifiez que pour taux n supérieur ou égal à 1, on a vn égale n au carré, ln arc tangent de n moins ln de arc tangent de n plus 1. Deuxièmement, montrer qu'il existe C appartient à l'intervalle n, n plus 1. Pour taux n supérieur ou égal à 1, on a vn égale moins n au carré, 1 plus c au carré, arc tangent de c. Troisièmement, on vous demande de vérifier cette inégalité et de calculer la limite. Voilà, c'est un exercice assez intéressant. Seulement, c'est pas difficile au niveau moyen. D'accord. Voilà, on vous demande maintenant de vérifier. On va vérifier la propriété. Donc, on aura, c'est une propriété de ln. Voilà. Donc, on a, pour quel que soit n supérieur ou égal à n, on a un, on a vn égale ln de un égale ln de cette quantité, arc tangente de n sur arc tangente de n plus 1, le taux à la puissance n au carré. On sait parfaitement, quel que soit a strictement positif, ln de a à la puissance p, c'est p ln de a. C'est ce qu'on va appliquer ici. C'est très simple, c'est la propriété de ln, la fonction logarithme. Donc, j'aurai ici, c'est n au carré, ln de arc tangente de n sur arc tangente de n plus 1. Voilà. Maintenant, ceci est égal. On sait parfaitement que ln de a sur b avec a et b strictement positif, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, j'aurai aussi ln de arc tangente de n moins ln de arc tangente de n plus 1. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Il fallait vérifier. C'est très simple. Maintenant, on passe à la deuxième question. Maintenant, on vous demande de montrer, deuxièmement, montrons qu'il existe C appartient à l'intervalle n, n plus 1, n plus 1, quel que soit n, supérieur ou égal à 1, on a vn, vn égale moins n au carré sur 1 plus c au carré, enfin, arc tangente. Tangente de C. Voilà. On va considérer, ici, vous voyez bien qu'on va utiliser le théorème des accroissements finis. Voilà, on considère la fonction f de t, définie par ln de arc tangente de t, pour tout t strictement positif. Donc, sur l'intervalle, sur n plus 1, voilà. On aura f continue sur n plus 1, voilà. F dérivable sur n plus 1, voilà. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, C appartient à l'intervalle n plus 1, tel que f de n plus 1 moins f de n moins f de n égale f' de c facteur de n plus 1 moins n. D'accord. Ceci va donner, donc, c'est équivalent, c'est f de n. Donc, je vais écrire f de n. C'est ln de arc tangente de n plus 1 moins ln de arc tangente de n. Voilà. Ici fois f' de c. N moins n plus 1, c'est 1. Donc, maintenant, f est dérivable. Donc, f est dérivable. F' de t égale 1 égale L de N. Nous avons choisi ln d'arc tangente. Arc tangente, c'est arc tangente prime de T sur arc tangente de T. Voilà.
ceci va donner. Donc, c'est 1 sur 1 plus t au carré, arc tangente de t. Voilà. En remplaçant, donc, j'aurai, pour tout t positif, pour tout t strictement positif, donc, j'aurai f' de c, ça sera 1 sur 1 plus c au carré, arc tangente de c. Arc tangente de c. Donc, j'aurai ln, ln de arc tangente de n plus 1 moins ln de arc tangente, pardon, ln de arc tangente de n, oui, arc tangente de n égale, égale, oh, égale, 1 sur 1 plus c au carré, arc tangente de c. Voilà. Je vais maintenant multiplier le terme de l'égalité par moins n au carré. Donc, c'est équivalent que moins n au carré, ici, arc tangente, ln, ln de arc tangente de n plus 1, moins ln de arc tangente de n, égale moins n au carré sur 1 plus c au carré, facteur de arc tangente de c. Je vais faire le signe moins. Ici, j'aurai à faire entrer le signe moins. J'aurai ici n au carré et ln de arc tangente de n moins ln de arc tangente de n plus 1. Je vais écrire ici. Je vais descendre un peu. Et n au carré et ln de arc tangente de n moins ln de arc tangente de n plus 1, plus 1 égale moins ln de 1 plus c au carré, facteur de arc tangente, tangente de c. D'après la première question, cette quantité c'est Vn. Ceci est équivalent que Vn, Vn égale moins, moins n au carré sur 1 plus c au carré, facteur de arc tangente de c. Voilà. Maintenant c'est ce qu'il fallait démontrer. Troisième question, montrons. Quel que soit n, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on aura Vn, Vn supérieur strictement à moins n au carré sur 1 plus n au carré, arc tangente de n inférieur à moins n au carré sur 1 plus n de taux au carré, arc tangente de n plus 1. Voilà. On a, d'après la question précédente, on a Vn, voilà. On a montré que Vn, ou bien on va utiliser ici, on a montré que Vn, on a Vn égale, Vn égale moins n au carré, moins au carré, sur 1 plus c au carré, arc tangente de c. Voilà, on va encadrer. Or, c appartient à l'intervalle n plus 1. N appartient à l'intervalle n plus 1. Voilà. Si c'est équivalent que c est compris entre n et n plus 1. Voilà. Donc, c'est équivalent que c au carré est compris entre n au carré et n plus 1 au carré. J'ajoute 1 de deux côtés, donc j'aurai 1 plus c au carré, voilà, n, 1 plus n au carré, inférieur strictement à 1 plus n au carré, 1 plus n de taux au carré. Donc, je passe à l'inverse, donc je s'applique, 1 sur 1 plus c au carré, inférieur à 1 plus 1 sur n plus 1 de taux au carré, inférieur strictement à 1 sur 1 plus 1 sur n au carré. Voilà la première. Maintenant, je vais encore encadrer l'arc tangente. Donc, j'aurai ici, pour l'arc tangente, de même manière, j'ai la relation 1, voilà, relation 1. Maintenant, c compris entre n et n plus 1, c'est appliqué à la fonction arc tangente et croissant. Donc, j'aurai arc tangente de n, inférieur strictement à arc tangente de c, inférieur strictement à arc tangente
arc tangente de n plus 1. Je passe à l'inverse, donc j'aurai 1 plus 1 sur c. Arc tangente est strictement positif pour tout, t est positif. Donc ici, c'est strictement positif, tout est positif. Donc arc tangente est aussi positif. Donc je passe à l'inverse, 1 sur 1 plus arc tangente de c, inférieur strictement à 1 sur 1 arc tangente, de n plus 1, inférieur strictement à 1 sur 1 arc tangente, de n. Voilà 2. Je vais multiplier 1 par 2. 1 par 2. Donc, en multipliant 1 par 2, donc, j'obtiens... Non, multipliant. On obtient 1 sur arc 1 plus c au carré, arc tangente de c, inférieur strictement ici, à 1 sur 1 plus n plus 1, le tout au carré, arc tangente de n plus 1, inférieur à 1 sur 1 plus n au carré, arc tangente de n au carré. Voilà. Maintenant, je vais multiplier par moins n au carré. L'ordre va changer. Donc, j'aurai ici moins n au carré sur 1 plus c au carré. C au carré, arc tangente de c, inférieur strictement ici, j'aurai moins n au carré sur 1 plus n plus 1, le taux au carré, de arc tangente de n plus 1. Ici, j'aurai moins n au carré sur 1 plus n au carré, arc tangente de n. Voilà, arc tangente de n. Voilà, ceci, c'est Vn. On a montré que, d'après la question précédente, c'est Vn. Donc, d'après la question précédente, on obtient donc Vn, on obtient ce qui est ici. Voilà, c'est ça ce qu'on obtient. Donc, voilà, on a Vn d'après la question précédente. On a montré qu'elle est égale à moins n sur 1 plus c au carré. Donc, c'est ça. On remplace, on trouve Vn. Maintenant, pour la troisième question, on vous demande de calculer la limite. On voit la troisième. Quatrièmement, on vous demande de calculer la limite. Voilà. Donc, pour la limite du Un. Pour calculer la limite de Un, on va calculer avant tout la limite de Vn. Donc, on aura limite en plus l'infini de moins n au carré sur 1 plus n au carré, arc tangente de n inférieur ou égal à limite en plus l'infini de Vn inférieur ou égal à limite en plus l'infini de moins n au carré sur 1 plus 1 plus n plus 1 au carré, arc tangente de n plus 1. Voilà. On a limite en plus l'infini de moins n au carré sur 1 plus 1 plus n au carré, arc tangente de n. Je vais simplifier par n. Je vais plus l'infini. Ici, j'aurai 1. Ici, j'aurai 1 plus 1 sur n au carré. Voilà, arc tangente de n. Donc, ceci va tendre vers pi sur 2. En plus l'infini de arc tangente. Ici, c'est 0 plus 1, c'est 1. Donc, j'aurai, avec un signe moins, pardon, moins 6 moins. Donc, j'aurai ici moins 1 sur pi sur 2, c'est-à-dire égal moins 2 sur pi. Voilà. De la même manière, pour le deuxième, limite au plus l'infini de moins n au carré sur 1 plus 1, n plus 1, le taux au carré de arc tangente de n, égale limite en plus l'infini de moins. Ici, je vais simplifier. J'aurai ici 1 sur 1, n au carré, plus 1 sur n, le tout au carré, arc tangente de n. De la même manière, ici c'est 1, ici pi sur 2, ici avec un 6 moins, pardon. J'aurai, de la même manière, moins 2 sur pi. Voilà. Moins 2 sur pi. Donc, d'après le critère de convergence, limite en plus l'infini de Vn égale moins 2 sur pi.
qui est égal à moins 2 sur pi fois 1 fois ln fois 1, c'est-à-dire ln de E, qui est égal à ln de E à la puissance moins 2 sur pi. Voilà. Donc, limitons plus l'infini de Vn, égale limitons plus l'infini de ln de n, de un, égale ln de moins 2, ln de moins 2 sur pi, et moins 2 sur pi, qui est égal à ln. Donc, limite en plus l'infini de un, un égale moins 2 sur pi, égale à e à la puissance, e à la puissance moins 2 sur pi. Voilà, c'est ça la limite. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.